Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous soutenir en likant ou en partageant la vidéo ou grâce à notre uTip. Il vous suffit de regarder une publicité de 30 secondes, ce qui nous fait gagner 5 centimes par visionnage. En soi, comme ça, c'est pas grand chose, mais pour nous, c'est beaucoup. Merci de votre participation et bon visionnage. Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Naruto. C'est une idée qui est assez populaire sur le net étranger et pas mal d'entre vous avaient insisté pour que l'on traite ce « et si ». C'est une question, à mon sens, qui est assez complexe, mais nous allons tenter d'imaginer l'histoire si Naruto avait été un Uchiwa. Comment amener le fait que Naruto ne soit pas un Uzumaki, mais un Uchiwa? S'il y a bien une chose qui est sûre, c'est que dans l'histoire originale, il y a des choses qui sont dites, mais également des choses qui ne sont pas dites. Et parmi les choses qui ne sont pas dites, nous pouvons compter l'identité des parents de Minato et Kushina, et si Madara a eu une progéniture. On peut alors émettre une possibilité que Naruto ait de l'ADN d'Uchiwa en lui. Nous savons que Madara était au courant de la compatibilité des Uzumaki par rapport au contrôle des Bijou, puisqu'il a affronté Hashirama avec Kyuubi et que Mito Uzumaki a aidé son époux en scellant en elle le démon, et donc en devenant la première Jinchuriki de Kyuubi. Après ce combat, Madara s'est fait passer pour mort. Or, pendant des années, il aurait très bien pu s'intéresser au clan originaire du pays des tourbillons. Le clan Uzumaki aurait eu énormément d'intérêt pour Madara, par leur capacité physique et par leur maîtrise du Fuinjutsu. Madara aurait très bien pu penser contrer son rival en, lui aussi, prenant pour épouse une Uzumaki. Kushina n'est pas née à Konoha, et nous savons qu'elle avait de bons attributs physiques. Et si elle avait un lien biologique avec Madara ? Que celui-ci était en fait son grand-père. La survie de Madara avait été un secret pour tous. Sa propre épouse ne connaissait pas sa réelle identité et ne savait pas qu'il faisait partie du clan Uchiwa. Le gène Uchiwa s'est donc transmis dans l'ignorance de tous, jusqu'à Kushina puis Naruto. Les événements seront similairement les mêmes. Naruto perdra ses parents le jour de sa naissance par l'attaque de Tobi et grandira seul avec la haine des villageois. C'est lors de sa première mission dans l'équipe 7 que les choses vont être différentes. Alors qu'il pensait Sasuke mort sous la main de Haku, alors que c'était une illusion, Naruto, en plus de céder au pouvoir de Kyuubi, éveillera pour la première fois le Sharingan. Kakashi assistera à la scène et sera surpris de cette découverte. Il remontera cette découverte au 3e Hokage seulement. Personne ne saura la raison de cette capacité chez Naruto. Il est impossible que Naruto ait le Sharingan, puisque, mis à part si on lui avait greffé, tout comme Kakashi, seulement les Uchiwa avaient la pupille. Dans l'ombre, un homme savait qu'il avait un descendant vivant, et que celui-ci était en possession du démon à queue. Son plan se déroulait comme prévu. Il comptait faire de Naruto un allié de poids. Pour cela, il se servira de Tobi pour l'approcher au moment opportun. Tobi manipulera Naruto en lui dévoilant que le clan Uchiwa, donc un clan dont il faisait partie, a été détruit par le village de Konoha lui-même, puisque c'est le village qui avait commandité à Itachi de massacrer son propre clan. Tobi rajoutera que si Naruto était l'hôte du démon Kyuubi, c'était également de la faute du village, pour que celui-ci soit détesté par les habitants et ne puisse tisser de lien avec personne, et donc avoir moins de risques d'éveiller la puissance de sa pupille. Tobi n'hésitera pas à déformer la réalité pour manipuler au maximum Naruto. Naruto, tout comme Sasuke, tournera le dos au village et voudra le détruire, pour venger les membres de son clan tués par Konoha. En soi, l'histoire ne sera pas trop différente de l'original. La différence viendrait surtout dans les capacités de Naruto et de son risque de cécité. La mort de Jiraiya pourrait être un élément déclencheur pour l'éveil du Mangekyou Sharingan de Naruto. Mais au fil des utilisations, il perdrait peu à peu la vue. Est-ce que Naruto éviterait d'utiliser le Sharingan alors ? Sa pupille pourrait tout de même l'aider dans sa maîtrise du chakra, ce qui pourrait lui permettre d'apprendre encore plus rapidement le Rasengan et ses dérivés et également, potentiellement, le Chidori, fusionnant ces deux techniques signatures pour créer le Rasen Chidori, sans oublier le fait qu'il serait capable de copier les techniques en les voyant seulement une fois. Grâce à ce Sharingan, Naruto contrôlera son démon comme un enfant qui joue avec son jouet. Il ne pourra d'ailleurs pas se lier d'amitié avec son démon car Kyuubi aura reconnu la trace de chakra de Madara en lui. C'est pour ça que Naruto sera obligé de le manipuler avec sa pupille. Son lien avec Madara changera-t-il quelque chose à l'histoire? Sachant que Madara avait établi son plan œil de la lune, je ne pense pas qu'il serait contre le principe de sacrifier son petit-fils, pour le bien de tous selon lui. Tenterait-il tout de même d'avoir un contact avec lui?
Je pense que ça ne lui aurait rien apporté finalement. Mais imaginons qu'il prenne contact avec Naruto et que celui-ci se laisse manipuler et accepte qu'on lui extrait son démon. Il pourrait avoir une chance de s'en sortir grâce à ses gènes d'Uzumaki. Réfléchir à des histoires alternatives est quelque chose d'intéressant. Mais parfois, il faut reconnaître que vous avez des idées farfelues. L'idée d'un Naruto Uchiwa pour moi en est une. Et autant vous dire que je me suis documentée pour voir s'il y avait des fanfictions existantes et ce qu'elles racontaient. Pour moi, un bon ici se fait principalement sur sa crédibilité. Un ici qui n'est basé que sur le fanservice de certains sur des personnages est pour moi inintéressant. Parce que s'il y a matière à discréditer l'idée, c'est que nous ne sommes pas dans une bonne histoire alternative. Mais cela ne regarde que moi. Le ici Naruto avait été un Uchiwa fait partie de cette catégorie-là pour moi. J'ai certes essayé de réfléchir à comment amener la chose dans l'histoire et lui donner de la crédibilité, mais pour moi, je vous avoue, c'est une idée faussée. Tout simplement parce que, pour rappel, Naruto est la réincarnation d'Asura et Sasuke de Indra. Même si ce n'est pas dit spécifiquement, nous pouvons émettre la théorie que la réincarnation de chacun a un lien, respectivement avec les Senju et les Uchiwa. Or, si Naruto avait des gènes Uchiwa, cela aurait grandement faussé la donne. De plus, son degré d'Uchiwa étant très minime, il aurait été sûrement impossible qu'il ait les attributs des Uchiwa, et encore moins la pupille. Et pour terminer là-dessus, il aurait sûrement été impossible que Naruto soit un Uchiwa tout simplement parce que scénaristiquement parlant, ça ne tient pas la route. Naruto devait être l'opposé de son rival et ami Sasuke. Il ne pouvait pas avoir de lien avec les Uchiwa. Et si les deux rivaux sont également les réincarnations d'Asura et Indra, et que Hashirama et Madara l'ont été aussi, c'est pour marquer significativement cette notion d'opposé, tout comme le Ying et le Yang. Donc non, Naruto n'aurait pas pu être un Uchiwa selon moi. Également, je voudrais revenir sur une idée que vous avez été nombreux à proposer, qui est dans le même genre que celle-ci et qui est tout aussi impossible pour moi. C'est et si Sasuke avait été le Jinchuriki de Kyuubi. Si Naruto a été choisi pour être l'hôte de Kyuubi, ce n'est pas juste parce que Minato avait foi en son destin, mais surtout parce que Naruto est un Uzumaki et que les Uzumaki sont notamment connus pour leur résistance et leur longévité. Un Uchiwa, avant qu'il éveille le Sharingan, même s'il a une excellente maîtrise des arts ninja, reste un ninja lambda. Et Sasuke n'était pas non plus un génie à l'image de son frère. Je pense donc que Sasuke n'aurait pas supporté la puissance de Kyuubi, tout comme Rin lorsqu'elle est devenue une Jinchuriki. Vous l'avez remarqué, cette vidéo est là pour peser le pour et le contre. Je vous ai imaginé un scénario sur une thématique que vous avez réclamée, et ensuite je vous ai dit, selon moi, sa crédibilité. C'est un nouvel exercice intéressant, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé par commentaire. C'est une vidéo plus courte que d'habitude, mais j'espère avoir fait le tour du sujet. N'hésitez pas à me partager votre avis sur les différentes thématiques traitées dans cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore. Sur ce, moi je vous laisse, à la prochaine, tchuss !